Bon, en fait, à cela, moi, ça, nous, ça ne nous dérange pas de voir honnêtement les autorités se comporter ainsi. Ce qu'on dit, nous slamons pour Bignona. Il y a toute personne qui se sentira à l'aise dans cette confusion. Il n'y a pas de problème. Ce que nous ne pouvons pas d'ailleurs accepter, c'est que de se rendre compte que de son vivant, ils n'ont rien fait. Parce que j'ai dit, ils n'ont pas intérêt à faire quelque chose après Alpha. C'est de son vivant qu'il devait faire quelque chose. Et non, les autorités n'ont rien fait à Bignona, absolument rien. Et seulement ça ne va jamais prendre le micro, se tenir à la grande place pour dire quoi que ce soit. Nous nous slamons. Et comme Al-Farouk a pu le dire, tant que ce que seulement ça fait sera bien, il y aura des gens qui viendront. Et ce n'est pas seulement ça d'aller vers, c'est aux gens de venir vers seulement ça, parce que ce que seulement ça fait, c'est bon, c'est intéressant. Voilà, ça permet d'éduquer, ça permet d'être soi-même. Des mots drastiques pour astiquer la mauvaise humeur. Hier soir, je méditais, une étoile me fixait du regard. Sur le coup, sans hésiter, je me suis dit, ça c'est mon gars. On a échangé des sourires, même si une accolade aurait été mieux. J'étais rassuré, ça se voyait qu'il était en paix dans les cieux. Il m'a dit, dis à mes frères que je les aime, qu'ici, je ne manque de rien, que quelques prières de temps à autre me feraient le plus grand bien. Dis-leur que j'ai apprécié les hommages. Je ne mérite pas tout cet honneur. Je ne suis qu'un paysan qui, dans ses champs, cultivait la bonne humeur. Démocratiser des mots drastiques pour astiquer la mauvaise humeur. Poser des mots sur nos douleurs. Donner de la joie à nos humeurs. Je lui dis, écoute frère, je viens être ton messager, mais avant, laisse-moi te dire ceci. La vie est synonyme de chagrin. Une réplique de la solitude. Ici, on est triste. Et le malheur est devenu une seconde habitude. Depuis, on a perdu l'équilibre. Le karma nous a mis KO. Depuis, le soleil est triste de ne plus pouvoir éclairer tes jours. Tu sais, bizarrement, la laideur a pris la place du beau. Tu sais, la lune sourit. Elle sait qu'elle t'aura à ses côtés pour toujours. En parlant de lune, qu'elle sache que tu n'es pas une étoile à l'instar des autres étoiles dans le ciel. Tu n'es pas une étoile, tu es l'étoile authentique la plus belle. Tu sais, mon frère, prête-moi ces quelques vers que je te mette ça au clair. Tu n'es pas une étoile, tu es une constellation et que ce sont tes battements de cœur qui font trembler les terres des autres nations, tu sais. J'aurais aimé que les mots soient assez forts pour exprimer ce que je ressens. Tu ne peux pas savoir comment on se sentait fort quand on t'entend. T'as supposé des mots sur les orages qu'on peinait à traverser, nous donner le courage de porter nos fardeaux. Le cœur léger, tu sais, à l'unanimité. Tes paroles sont de l'or et pour nos doutes, elles sont capitales. À l'humanité, tu as inoculé ta résistance, ta prestance et ton mental, tu sais, c'est fou. Je vais dire un mot, je m'appelle Ismet Bilal, un artiste, je viens du Comor, je suis un ami d'Al-Farouk. Et avec la GEA, on a eu la chance de venir et malgré le fait que beaucoup d'artistes à Dakar auraient voulu faire le déplacement, on a pu venir et essayer de nous représenter afin de présenter notre confiance et échanger avec la famille qui est ici, rendre un dernier hommage avec le collectif Slamosa et recueillir sur la terre sur laquelle on se pose. Quel appel avec moi là, c'est Slamosa qui est là pour te faire appel. Alors, comme là je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est de perpétuer tout cet héritage que Al-Farouk a légué à ces jeunes. Et essayer de faire vivre à jamais la mémoire de cet esprit de lumière et essayer de faire le maximum pour ne pas lâcher les ateliers, ne pas lâcher le développement de l'écriture et du slam à Bignona et à Cosamos. En tant que les familles de Al-Farouk, est-ce que aujourd'hui vous avez senti les... Il m'a fait aimer la Cosamos et il m'a fait aimer chacun d'entre vous, vos plumes. Votre manière de déclamer, votre authenticité, votre beauté naturelle, votre joie de vivre et le sens du partage que vous avez. Ma prière la plus forte, c'est que vous la gardez. Vous êtes le collectif d'Al-Farouk Dabo, Slamansa. Vous êtes les porteurs de sa flamme. Vous êtes le cœur de Slamansa et il vous a laissé un héritage très lourd. Oui, l'avenir est radieux. Parce que quand on voit des enfants comme ça se lamer, voilà, c'est extraordinaire, quoi.
Et j'ai la plus d'écrire. Je suis poète et j'ai la possibilité de voir en chacun et en chacune de ces enfants-là une plume extraordinaire. Et tous, autant qu'ils sont, ils écrivent de la façon la plus extraordinaire possible. Depuis qu'on dit le diaspo, on n'écrit pas à sa place en fait, c'est ce qui est extraordinaire. Il écrit ses textes, il faisait la sixième au collège, sixième, il écrit ses textes. Voilà. Donc ça, c'est se dire que cela m'en ira trop loin. Parce que nous avons le champion du deuxième sort parmi nous présentement. Il ira en championnat national. Et nous osons croire maintenant que les autorités vont se réveiller.